Salut les étudiants des Subcom, c'est Camille Cerf et aujourd'hui j'ai une mission pour vous. Miss France 2015 et Miss Nord-Pas-de-Calais. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto non, beauté. Mais laisse-moi, excuse-moi, t'es en direct là? Ouais, non. C'est toi Camille? Oui. Camille Cerf? Exactement. T'es la Miss France 2015. Ouais, Miss France. Excuse-moi, on s'en fout ton truc là. T'es en train de faire quoi là? J'étais en train de faire un tuto beauté, mais ouais, c'est pas grave. Tuto beauté, bah justement, j'ai besoin d'un truc parce qu'on doit relooker les clowns. C'est ce que c'est qu'un clown ou pas? Ouais, avec les nez rouges, les petites pierres. C'est vrai qu'ils auraient besoin d'un petit relooking. Ouais, là tu parles du clown ringard là, le clown avec le gros truc, la tarte à la crème, les grosses godasses et tout ça. Ouais, il y a d'autres clowns? Ben ouais, non mais moi je parle du clown hospitalier ou en milieu de soins. Tu sais, pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, je suis sûr que tu connais pas. Regarde, c'est ça. T'as vu? C'est bien, c'est génial. Franchement, je connaissais pas ces clowns. Non, mais pourquoi tu connais pas? Bah justement, il est là le problème. Pourquoi on connaît pas? Eh ben écoute, tu sais, on a créé une fédération française des associations de clowns hospitaliers. Ok. Française. Et Miss France. Je me dis, peut-être, t'as peut-être du temps à... À accorder un petit peu? Mais ouais, parce qu'il y a des jeunes là, et puis on a besoin de relooker, tu vois, la fédé, c'est bien, mais c'est un peu... Ça peut être un peu ringue, alors il faudrait un truc un peu... Un peu sexy, un truc qui parle aux gens, qui comprennent ce que c'est, parce que moi, j'arrive pas à leur faire comprendre. Là, peut-être que toi, tu peux nous aider à motiver les jeunes à ce qu'ils comprennent. Bah ouais, puis moi, j'étais en école de commerce, je sais qu'on a plein d'idées quand on est en école de commerce, en école de com, en école... Enfin, même à l'école tout court, on a plein de choses à proposer. Je pense que ça peut être un bon défi pour tous ces étudiants. Eh ben, tu veux pas quoi? Tu sais quoi? Tu vas leur donner une mission. Ok. Attention, 3, 4. Alors, bonjour tout le monde, à ceux qui nous écoutaient, ceux qui viennent de voir cette petite discussion. On a besoin de vous. Aujourd'hui, la Fédération des clowns hospitaliers a besoin de vous. Aujourd'hui, ils ont un vrai manque de notoriété. Il faudrait tout repenser. Les logos, la communication. L'image vers le grand public. Exactement. Tout ça, et ça, c'est votre mission, si vous l'acceptez. On voudrait que, grâce à vous, les clowns hospitaliers aient une nouvelle image. Un petit peu. Et le gagnant, il part une semaine aux Caraïbes avec Camille. Hein? Ah, c'est aussi.